Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve donc pour le troisième épisode de The Order 1886. C'est chiant à dire la date, quoi. Ça rien, j'aurais pu trouver plus simple. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Vous avez combattu avec courage, Oui, mon ami. avec courage, tu peux mourir en paix. Allez! Qu'est-ce que c'est que ce Écartez-vous bordel? tous! Mise à feu! On va tout faire sauter. Faut-il bouger? C'est trop tard, monsieur. Garde tes prières, Lafayette. Aucun dieu ne peut l'aider. Allez, on y va. Là, l'hôpital. On est à quelques centaines de mètres. Et ces saloperies de rebelles seront là à nous attendre. Cible rebelle à terre! Il faut que je reparte! Allez, dépêchons-nous. On perd un temps précieux. Meurs, tu meurs pas. Alors, il y a quoi par là? Une porte fermée. Oh. Trop épique. Bon, c'est parti. Nom de Dieu, qui a construit cette ville? Il n'y a que des cul-de-sac. Génial, le raccourci, parfait. Et maintenant? Lafayette, la longue vue. Qu'on avance, vite! Les rails ont un point faible. Si je peux arriver là-haut, je pourrais tout démolir. Ygraine, Lafayette, couvrez bien nos arrières! Perceval avec moi. Quel enfoiré, il a la même arme que moi! Ouais, j'aimerais bien, mais il veut pas d'ail. Attention, fermé. Et si j'y allais au cac? Ah bah je peux pas. Alors, son il est mort. Minute, je prends des grenades, attends, ça peut toujours servir, même si elles sont un peu moisies les grenades dans le jeu. Mais... Ah, allez, monte. Prêt. Eh non. Utilise la thermite pour démolir le pont. Hey,
Bon bref. Galahad, démolis le pont avec de la thermite. Bah je veux bien, mais... T'es devant. Après tu vas me dire encore, blablabla, il me tire dessus, machin... Si j'ai eu pas... Greg, Lafayette, la voie sera bientôt dégagée. Ah, merci, il me semble. La thermite est posée. Faites attention en bas. C'était plus simple comme ça. On dirait que les rebelles se retirent. Allez, on avance. On avance, on avance. Nous progressons vers la cible. Trouve un moyen de nous rejoindre. Compris. Je suis revenu en arrière là. Ouah. Trop fort. Où descend des marches. Hé, hey, où est votre commandant? Par là. Allez. Sergent. Chef, que font les chevaliers de la reine? Pourquoi n'avoir pas sécurisé le périmètre? On a entendu des choses. Mieux vaut reculer. À bas la sûreté. Vous entendez? Où sont les autres rebelles? Exactement. Un silence de mort. Quelque chose cloche. Galahad, est-ce que... Je les ai vus. Vu quoi? Des hybrides. Ils convergent depuis l'hôpital. Il faut les démanteler. Et vite. Appelle-les. Sentinelle 5, ici Galahad. Vous m'entendez? Messire Galahad, ici Sentinelle 5. En attente. Sentinelle 5, je demande une charge sonar immédiate. Déploiement de la charge Galton confirmé. Demande balise visuelle pour verrouiller la cible. Qui a un émetteur? Tenez, monsieur. Mon communicateur. Le garçon est utile, finalement. Valise verrouillée. Point d'ancrage largué. Déploiement du Galton dans 5, 4, 3, 2... Attention! Appareil éteint! C'est le moment. Allez, trouvez-moi d'où proviennent ces saloperies. Je vous protège. Monsieur, il vous faut ça. Attention à vous. Toujours marqué. Espérons qu'elle marche. Oh. I don't power. Attends l'instinct légendaire, qu'est-ce que t'en dis? On doit se préparer à toute éventualité. Rien de très révolutionnaire. À vous, tu commences à être rouillé. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Encore ces aliénés, à mon avis. Combien ont été victimes de leur fuite? Regarde. Je regarde quoi? Le mec démembré, là? Oh, quel massacre effroyable. Ah bah oui, trop. Je n'ai jamais rien vu de tel. Moi non plus. C'est la violence des camps ne fait qu'augmenter. Oh, bande de salauds.
Tu pas les ans comme ça. Alors. Suivons les traces de sang. Mode Sherlock Holmes. C'est quoi là-bas, il y a un truc. Bon, mais comme d'hab. Encore des trucs pour faire style, quoi. La sortie est de l'autre côté. Trouvons un autre accès. Pour retourner en arrière, ça va être sérieux là. Moi j'étais bien, moi ici. Bah. Je vais même regarder ici, s'il n'y a pas. Non. Bon, faut mieux retourner en arrière. Allez, on y va. On y va. Prêt à tirer. Ok, au pistolet. Bah oui, logique. Merde. Chevalier fiche ici. What? Anéanti. La porte est ouverte, on tient l'accès. Reste sur tes gardes. Je suis sur mes gardes. Parle bien de cette porte-là, hein, j'espère. Ouais, ça doit être ça, ouais. Hey. Quoi ça? Valise. Elle. Merde. On va avoir des ennuis. Mais non, c'est que moi. N'en faites pas, tout va bien. Oula. Tac, c'est fait. Bon, on va garder le semi autour. Alors. Chevalier, l'approche. C'est faux. Ah mais la visée assistée qui me tue plus qu'autre chose. Ouais. Et... il prend des balles. Ah il me. Alors, c'est quoi ça? Des munitions. Mon pied. Hein? Et si? Dégage, bordel! Bah, je peux pas te. Je peux pas venir en haut de cake. T'es sérieux là? Ah non, c'est une mauvaise idée ce que j'ai fait. Pourquoi des fois j'arrive à courir et des fois non? Je ne sais pas. Aïe! Merde. Voilà. C'est fait, waouh. Je t'ai vu, toi. On y est presque. Espérons qu'on ne fera aucune autre rencontre en chemin. Espérons, espérons. Oh, cette femme.
Elle défonce les portes, quoi. Ah bah celle-là aussi était fermée. Honneur aux dames. Voilà. Qu'y a-t-il ? À qui Perceval parle-t-il ? Personne. Juste un pauvre sans-abri. Allez, en route. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Lycans se regroupent. Ces patients ont été mutilés. Symbole de notre expertise médicale. Les Lycans ne sont pas les seuls à avoir envahi les lieux. Le temps n'a pas épargné le complexe. Courir. Hé, Guy. Ici. T'as pas entendu? On a de la compagnie. J'ai entendu causer, c'est sûr. Oh merde, putain, chevalier. Oh bon sang. Ils sont peut-être plus nombreux que prévu à l'hôpital. Mais c'est quoi cet hôpital, quoi? Vous êtes pas malade, pourtant. Ah là là. Oh. Gray, l'un de nous doit fouiller le sous-sol. Très bien. Je vais descendre. D'accord, je vais par là. Appelle-moi si tu trouves quelque chose. Eh ben, je pense qu'on va tomber sur les cons que j'aime pas. Allez, allons inspecter. N'empêche, on n'est pas vu à 800 barnes, tiens, avec cette lampe. Je t'entends. Calade. J'ai trouvé quelque chose. Répète, Izzy. J'ai du mal à t'entendre. Ça devrait t'intéresser. Izzy. C'est un hôpital psychiatrique, en fait. Il y a des chaises de torture, quoi. J'ai bien vu ce que j'ai vu. Ah, smiley. Ouah.
Bah lui au moins il est vivant quoi. Alors... Sweet and bright quoi. Y'a Gollum géant qui me poursuit. Oh non. Oh non, non, fallait. Merde. Putain de merde. Non. Allez, on recommence. Je déteste, hein. Franchement, les systèmes. Vous avez un problème? Vous ne savez plus quoi faire? Notre équipe est là! Vous aidez et tout! Alors... Putain, en tout cas, ça a un gros bustou quoi! Pourquoi elle répond pas aussi? Oui, c'est moi. C'est moi, Izzy. Qui a-t-il? Ah bon? Où es-tu? Bah... Salle de triage. J'ai vu une cible. Un ancien. Un ancien? Ici? Et c'est insensé. C'est insensé. Voyons. Carrément insensé même. Dépêchons-nous. L'hybride est blessé. Il a soif de sang. Ouvre la porte. J'essaie. Fais levier avec un objet. Je dégage les débris de ce côté. D'accord. Gray!
Ah d'accord. Logique, c'est R, quoi. Ah, je vais les tuer. Expert quick time de merde. Oh là là. C'est un carnage. Mais merde. Là. Allez, je vais me concentrer. Ça va pas du tout. Ah ouais. Izzy, reste avec moi. Allez, Izzy. Allez, allez, bois. J'ai mal. Izzy, ça va aller. Je tiendrai plus très longtemps. Cette fille. Garde tes forces. On mérite mieux que ça. Toi et moi, nous deux. On mérite mieux. Hé, hey, là ! Encore cette femme. Gray, la salle. Sur la gauche, il y a quelque chose que tu dois voir. Qu'est-ce que c'est ? Rebelle.
Repose-toi, là. Quel est ce charabia ? Je ne sais pas. Ah. Une photographie de Lord Hastings. Ils sont bien organisés. Là, encore un truc ici. Ah non. Vous faites chier avec vos Skyrim bis là. Enfin, c'est pas pareil même. Oh là là. Bah, c'est bon là, normalement. Ça me semblait. Jamais qu'il y avait un truc caché, hein. Bon, bah, du coup, on n'a pas entendu. Vous voulez dire un truc à Perceval, mais on saura jamais. Ah là là. Allez, Graine, viens. Viens, Izzy, je vais t'aider. Tout doucement. Ça fait combien de temps? Assez pour m'inquiéter. Mais où étais-tu passé ? Perceval, il se pourrait que nous ayons un problème. Y a-t-il ? D'abord, contacte Nicolas. Il faut du matériel. Les rebelles ont transformé l'aile psychiatrique en planque et en une sorte de zone de transit. Tout semble indiquer que la United India Company est visée. Et aussi Lord Hastings.
Je t'assure, je me sens mieux. Il faut encore que tu récupères. Crois-moi, Gray, je suis en pleine forme. Finiras-tu par suivre mes conseils, Izzy? Tu connais parfaitement la réponse. Mais il te faudrait d'abord la bénédiction de père. Mon ami Galahad. Alors, Marquis, où est passée ton inquiétude à mon sujet? Oh, mademoiselle, je n'ai pas douté un instant que vous viendriez à bout de ces mécréants. Hélas, c'est différent pour votre chevalier servant. Pas un mot de tout ceci à qui que ce soit, c'est compris? Entendu. Vous prenez un grand risque. Qu'est-ce que je vous disais, monsieur? Nous n'espérions plus vous revoir. J'ai... Nous avons été retenus. Venez, nous avons peu de temps. Messire, ceci est pour vous aussi. Tout devrait parfaitement fonctionner. Merci, Nicolas. Et l'autre arme? Ah, oui. Tu ne me déçois jamais. Perceval, pour toi. Ça pourrait te servir. La gamme Emnon, sa situation? Il a déjà décollé. Il fait route vers Portsmouth pour une dernière escale avant de partir pour les Amériques. Et les gardes qui sont à bord? Sont-ils avertis de la menace rebelle? Pour autant qu'on sache, le détachement de la garde a pu infiltrer les conjurés. Découvrons la vérité sans éveiller les soupçons. Le Conseil doit au moins être informé de la situation. Nous ne pouvons pas demander l'assentiment du Conseil. Nous allons embarquer. Et comment devons-nous opérer, mon général? Il est déjà en vol. Ça devrait être facile. Tu lis dans mes pensées. Sentinelle 5, nous sommes à bord. Reçu, Sir Perceval. Sentinelle 5 se met en retrait et reste à disposition en cas de besoin. Confirmé. Merci de nous avoir déposés. Bonne chance, Sentinelle 5 terminée. C'est ça que vous appelez facile, monsieur? Nous sommes en position, à ton signal. Entendu. Ygraine, Lafayette. Hein, faut descendre par l'avant, c'est tout à fait logique, les gars. La situation est quelque peu dangereuse, mes amis. Oui. On abandonne déjà, Marquis? En position. Je vous suis. Allez. Il faut une présence sur le terrain parmi les invités. Alors que je n'ai rien à me mettre. Quelques emplettes sont nécessaires. Règle d'engagement, monsieur? Faites ce qu'il faut. Nous n'aurons pas le temps de différencier les conspirateurs rebelles des gardes de la compagnie. Nous avons déjà travaillé sans filet. Très juste. Mais n'oublions pas, il faut saisir le vaisseau de la United India Company. Des questions? Alors en avant. Sébastien, j'aimerais savoir... qui est le vieil homme que tu as vu à Mayfair et à Whitechapel? Le vieil homme... c'est une longue histoire.
Une histoire que je te raconterai le moment venu. Je dois moi-même éclaircir certains points. J'espère que tu as un plan. Le Conseil se lasse de ton mépris de l'autorité. L'ordre n'est plus ce qu'il a été, Grayson. Oui, tu me l'as déjà dit. Patience, mon cher. C'est le maître mot. Ils ont tous avec la patience. Marquis. Mademoiselle n'a absolument rien à craindre. Je serai aussi discret qu'une tombe. Il ne semble pas y avoir de garde. Dépêchons. Attendez mon signal. Avec moi. Vite. Sécurisez le cockpit et attendez les instructions. Ok. Par ici, monsieur. Pareil. À mon avis, on est des Anglais. Voyager dans des machines volantes. Personne ne demande bien ton avis. Les gardes n'ont pas remarqué que nous étions entrés. En retard. Il vaut mieux que j'y aille. On dirait une fermeture magnétique. Cherchons l'unité de contrôle. Et je l'ai trouvé. Ils appellent ça le progrès. Ah non, ça va être chiant. Ah putain. Hein ? Mais qu'est-ce que... C'est pour un mécanicien, pas un garde. Pourquoi je m'embête ? Le meilleur vaisseau, mon œil. Voilà. Galahad, Lafayette, on vient d'affronter la résistance des gardes de la compagnie. Ils tirent pour tuer. Ripostez si nécessaire. Compris. Eh ben non, c'était pas un fil déconnecté. Mauvaise réponse. Alors... Par là... Ah, bah oui, j'avais pas vu. Logique. Mesdames et messieurs, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à bord. Oui, j'avance plus vite, ça fait du bruit. Après notre départ de Londres, nous ferons une courte escale à Portsmouth. Nous poursuivrons notre voyage à travers l'océan Atlantique jusqu'à notre destination finale à Lakehurst, dans l'état du New Jersey. La durée de notre vol est estimée à... Service de sécurité, répondez... Bah non. Vous voyez quelqu'un vérifier que la cargaison est sécurisée. Eh merde. Je vais pas envoyer quelqu'un. Bah, faut savoir. Faut que j'aille derrière la porte alors. Je vous suis, monsieur. Oui, suis-moi. Soyons discrets, mon ami. Soyons discrets. Ah. J'en vois trois dans le cockpit. Le garde pourrait nous donner du fil à retordre. Il suffira d'improviser. Improvisons, mon ami, improvisons. On s'installe, les gars. Prochain amarrage à Portsmouth. Dans quelques jours, on devrait rejoindre les Amériques. Grenade fumigène. Au signal. Paye ton impro, ouais. Trois. Je sais lorsqu'on est en vol, même quand je suis dans la soupe. Deux. Mais là, c'est... Saleté.
Non. Ils me font chier avec leur quick time. Sérieux quoi. Mon dieu. Prenons ce dirigeable au nom de la liberté. Perceval, cockpit sécurisé. Lafayette restera à la barre. Quel est ton statut ? Lord Hastings est à proximité de la grande salle au-delà de ta position. Nous essayons de le repérer. Viens rapidement. Bien reçu. Je t'appelle quand j'ai fini la reconnaissance. N'oublie pas, on garde toujours la main sur la barre. Je m'en occupe, monsieur. Pourquoi tu veux qu'il fasse quoi avec sa main ? Ça va pas. Normal qu'il la laisse sur la barre, quoi. Allô. Ouais. J'avoue là, c'est pas normal. Ok. Alors. On va faire. Hop là. Ce jeu tue lui. Je pense qu'il va nous faire chier si je le tue pas. Oh merde. Non mais quel relou quoi. Il est où? Ça je peux le tuer. Oh non! Non mais t'es pas... Putain mais y'a de... Ah là là mon dieu. Ça ne va pas du tout. Hey. Infiltration ninja. Non, c'est faux, je suis pas là. Mais non, mais... S'il te plaît, là. Le jeu. N'importe quoi. Comme si je faisais énormément de bruit. Bon. Alors du coup...
ce con il est forcément toujours là-bas. Donc il va falloir... Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Le truc... Je vais péter un câble. Bah... Pourquoi tu l'affiches pas, à part quand t'es... Enfin, c'est bizarre, quoi. Quand le truc, faut attendre qu'il s'affiche, faut attendre 8 ans, quoi. Alors, bon, bah, on recommence. Et si on allait se faire l'eau... Quoi ? Non, mais c'est une blague. On n'est pas sorti là. Putain, puis en plus on approche à la fin là. On est à la fin. Donc, ça durera un peu plus longtemps. Ah. Allez. Mais non! Ah, mais c'est juste chiant en fait. C'est chiant. Oh mon dieu. Mais j'étais bien là pourtant. Je sais qu'il faut appuyer au bon moment, mais c'est trop chiant quoi. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée. Bon, on va faire un truc chiant. Allez, viens là toi. Pas me dire que c'est pas bon, pire tout. Voilà, meurs, bordel. Où est l'autre du coup? Ok, l'autre est tout là-bas. Voilà. Alors, est-ce qu'il va bouger ou pas? Dans ma direction quoi. Non mais mec, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Ah, j'ose pas là, s'il se retourne, j'ai l'air con. Ah, mais il va se retourner là, forcément. Ah, bah on n'est pas sorti, hein, c'est moi qui vous le dis. Suffit. Allez, tourne-toi. Quoi? Non, mais. Genre, tu me vois, quoi. Ah. Mais viens là. Viens! Oh, mais... Ah, me dites pas qu'il y en a un autre après, hein. Tac. Oh, mon dieu. Ouais. Ce cher Lord Hastings ne devrait s'apercevoir de rien. Attends, ils sont où? Ok. Il n'y en avait pas deux. Okay, bon, on verra bien. C'est phase de merde, sérieux. C'est phase de merde. Allez! Nous. Perceval, nous avons un problème. Lucan est à bord. Mon frère ? Qu'est-ce que le commandant fait ici ? Tout semble se dérouler sans encombre. Oui, messire Lucan, sans encombre. Nous serons à Portsmouth dans quelques heures. C'est cela.
puis en route pour les Amériques. Il devait suivre les Lords jusqu'à ce que le dirigeable soit aux frontières. Doit-on l'informer de la situation? Et alerter un agent rebelle? Talan a raison. Alastair n'appréciera pas d'être mis à l'écart. On s'en souciera plus tard. Son aide sera précieuse si la situation devient critique. Suivons le plan prévu. Entendu. Je vous préviens quand j'ai un meilleur point de vue. N'utilise ton arme qu'une fois la cible confirmée. Tire en attente. Les rebelles portent des uniformes volés de la compagnie et ressembleront à des gardes. Des gardes sans les insignes adéquats. Les uniformes de Whitechapel n'avaient pas d'insigne d'épaule. En effet, tiens-moi informé. Toi. Tourne-toi que je puisse voir. Allez, tourne-toi, quoi. Une insigne ou pas? Oui, il a une insigne. Insigne confirmé. Le garde le plus proche d'Hastings, c'est ok. Excellent. Occupe-toi des gardes restants. Ouais. Eh ben, on va s'occuper des gardes restants dans le prochain épisode. Voilà. Allez. Bye bye.